For Mars. Bonjour à tous, euh, élèves de 2M3 et de 2M5 probablement. J'ai vu qu'il y, qu y avait déjà du monde. Il faut que je parle dans le micro, c'est mieux. Euh, J'ai vu qu'il y avait un petit peu de monde sur le chat, donc ça veut dire que vous avez reçu mon rendez-vous. C'est déjà assez bon signe. Euh, on va essayer d'avancer relativement vite puisqu'on a rendez-vous à 15h pour les 2M3. Euh, avec M. Papadopoulos, en tout cas, pour parler un petit peu d'interdisciplinarité. Donc, euh, j'espère déjà que, que vous allez tous bien, qu'en ces temps de réclusion, la réclusion, c'est quand on est incarcéré et puis qu'on doit travailler. Hein, ça ressemble plutôt à ça, puisqu'on n'est pas totalement confiné, mais je pense qu'on peut quand même dire qu'on est reclus. Donc, on va essayer de travailler ensemble. Euh, déjà, la première chose, j'aimerais juste. Je sais qu'il y a des youtubeurs parmi vous, donc, euh, soyez, soyez très, très indulgents. Euh, par rapport à ce que je vais vous fournir là parce qu'évidemment bah, euh, ça doit être mon sixième je pense euh, depuis la semaine passée donc euh, voilà j'ai pas du tout encore d'habitude j'essaye de faire que ça marche je regarde en même temps le chat il y, y a des oui ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui est là en tout cas une partie donc euh, si vous voyez si vous avez une question sur le cours qu'on va voir ensemble ou bien un problème technique, tout à coup, vous m'entendez plus ou il y a quelque chose qui se passe mal, vous mettez en majuscule si jamais vous criez sur le chat, euh, ça, ça m'ira très bien. Donc voilà, j'ai besoin d'indulgence, je ne suis pas youtubeur du tout, peut-être, peut-être un jour, j'en sais rien, on verra ça. Euh, on va essayer de le rendre un tout petit peu interactif avec vos questions euh, sur le chat. Euh, je vais d'ailleurs mettre directement, voilà. On passe directement sur la, la page 19 et puis euh, vous vous voyez en même temps, vous n'êtes pas obligé de garder le chat qui est toujours ouvert, vous l'avez directement sur l'écran. Comme ça, vous pouvez vous mettre plein écran. Je vais essayer d'écrire assez gros sans trembler trop aussi. C'est toujours, toujours compliqué, en tout cas les premières fois. Donc je vous ai déjà posé pour euh, commencer une question sur euh, Teams, pour savoir, parce que mon idée, c'était de faire qu'un seul live par semaine. Donc, euh, est-ce que ça ira plutôt le lundi euh, Qu'est-ce que j'ai dit Non, pas le lundi. Le mercredi à 14h ou bien le vendredi à 14h Il faudra me redire si jamais. On peut se redire après aussi. Enfin, il n'y a pas de souci. Mais ça sera le seul live de cette semaine. Hein. Je vous avais envoyé un horaire où je vous disais qu'on en faisait un hein, le mercredi et le vendredi. En fait, on va faire un des deux jours. Parce qu'on a encore l'inter qui va nous occuper pas mal, l'interdisciplinarité dans les deux classes. Euh, autre chose, j'espère que vous avez reçu le cours euh, que vous pouvez trouver normalement dans Fichier, aussi dans Teams. Euh, vous avez la page 21 et la page 27. Euh, il faudrait que vous imprimiez ça pour la prochaine fois, ça veut dire pour la semaine prochaine, pour le prochain live. Euh, on démarrera avec ça. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais terminer euh, la page 19 et la page 20, ce fameux exercice 9. Mais euh, si jamais, ben voilà, vous pouvez déjà trouver du papier, trouver de l'encre pour réussir à imprimer ça. Comme ça, on pourrait, euh, on, on pourrait faire ce qu'il faut. Alors je vois Laura Gerber qui dit, la 2M3 a le français. Euh, le français, c'est donc... Euh, où est-ce qu'elle m'a dit ça Mercredi, je pense. Sinon, il y a l'inter. Alors, ce que je vous propose, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder avec mes collègues. Il ne faut évidemment pas que ça, que ça tombe pendant l'inter ou que ça interfère avec ça. Donc ça, je vais faire attention. Ok, je relirai si jamais le, le chat et puis on, on trouvera la date. C'est de toute façon pour la semaine prochaine, donc c'est au plus tôt mercredi prochain, peut-être euh, le vendredi. S'il y a une autre date possible, on en rediscutera aussi quand on se voit euh, avec la 2M3 à 15h. Et puis on a rendez-vous avec la 2M5 à 14h30 vendredi prochain, euh, aussi pour parler d'Inter. J'ai loupé celui de la semaine passée, j'ai eu peu de temps, j'ai dû mettre beaucoup de choses en place, comme je vous ai dit dans, dans mes messages. Euh, j'ai dû on pourrait dire comme ça réinventer euh, l'école secondaire donc c'était relativement compliqué j'ai dû me mettre à, à faire des des live streaming comme ça donc euh, voilà ça m'a demandé passablement de temps pour essayer de faire euh, quelque chose qui est relativement efficace donc euh, enfin efficace vous allez voir on va on va essayer de de bosser un petit coup ensemble et voir euh, ce qu'on si vraiment c'est efficace vous allez vous me redirez ça bon alors, euh, l'idée ici, c'est de parler. Hein, on commence avec le cours maintenant. Donc, on est sur la page 19. Et puis, on avait. Euh, donc, c'était un petit résumé. On a regardé le reportage de Félix. Euh, je regarde en même temps. Je suis seul à gérer tout ça. Donc, il faut que je regarde en même temps le chat. Euh, le français à 13h35. Donc, voilà, bah ça, ça, peut, ça peut bloquer. Alors. Euh Vendredi, c'est le mercredi que vous avez le français. Donc peut-être que ça, ça a l'air de se dessiner d'après les quelques messages que je vois pour le vendredi, peut-être. Ça me va aussi très bien, hein, moi. Donc euh, on, on se redira on, on décidera de tout ça. Euh, vous avez bien compris que ça m'arrange aussi, vu qu'on est à peu près au même endroit dans les deux classes, de faire un live pour les deux classes en même temps. Euh, c'est voilà, une histoire d'efficacité aussi. Bon. On attaque la page 19. Donc l'idée de cette page 19, c'était de résumer le reportage qu'on avait vu sur Félix. Donc on parle évidemment, euh, vous rappelez qu'il est autrichien, un petit peu comme moi. Moi je le suis qu'à moitié, mais ça, euh, c'est du côté de ma maman. Euh, et puis, ben, évidemment qu'il avait battu ce record d'altitude qui était détenu euh, au départ, donc c'était depuis 1960. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez tout savoir ça par cœur, c'est plus pour l'historique de, de la chose. Donc, Joseph Kittinger, Joe Kittinger, 1960, on a attendu 50 ans, à peu près, hein, même 52 ans, pour que Félix batte ce record. Il était avec lui euh, pour, euh, pour le record, ils étaient les deux ensemble, on a vu, on a vu ça aussi. Et puis le, le truc qui, qui s'est passé, encore une fois, juste pour la petite histoire, c'est que celui euh, que Félix a raté le record de la vitesse, euh, de la vitesse atteinte la plus grande. Si on regarde un tout petit peu ici, on prend, on regarde qui a le record. C'est assez, c'est une jolie petite justice là-dedans, je pense, parce que en fait, Joseph Kittinger, c'est lui qui a toujours le record de la chute la plus longue, de la chute libre, c'est-à-dire avant d'ouvrir le parachute. Euh, C'est lui qui, qui détient ce record. On se rappelle peut-être dans le reportage que Félix, il a eu un peu peur à un moment. Hein, il était à 2500 mètres, si je me rappelle bien, d'altitude. Et puis, il a ouvert son parachute. Donc, il l'a ouvert probablement un peu tôt. Par contre, lui, ce qu'il avait comme record, c'était la vitesse. La vitesse euh, la plus grande. Il, il avait battu la vitesse estimée de Joe. Et puis, par contre, Alan Eustache, qui, était, qui est un des dirigeants de, de Google, ben, il est venu battre le record de Félix en 2014. Hein, vous avez la date ici. Alors ce que je voulais juste vous faire remarquer là-dedans, c'est que euh, pour faire ce genre de record, on a besoin d'un ballon gonflé à l'hélium. Ça, on en a discuté. On a vu la forme qu'il prenait euh, aussi en même temps. Et puis, on a besoin aussi, euh, c'était marqué où, d'un scaphandre pressurisé. Il que je relise un peu le texte là. Voilà, ici. Donc il a été protégé dans un scaphandre pressurisé. Si je veux aller à des altitudes aussi hautes que ça, je suis obligé d'avoir quelque chose pour pouvoir respirer, pour ne pas subir justement, comme on avait vu, l'ébullisme, l'hypoxie. Donc on a besoin d'un scaphandre pressurisé. L'image que vous avez ici à gauche, c'est Alain Eustache qui, qui a quelque chose de relativement plus simple que Félix. Elle est là hein, l'image, on ne voit pas quand je donne avec mon stylo là. Donc euh, il a quelque chose de relativement plus simple et c'est probablement ce qui explique aussi, on va terminer avec ça, ce qui explique aussi que euh, il allait un petit peu moins vite que Félix. Si vous regardez la, la vitesse maximum de Alan Eustache, c'est 1322 alors que Félix était 30 ou presque 40 km heure plus haut, plus rapide. Euh, parce qu'il est probablement moins aérodynamique avec cette espèce de... Je ne sais pas si vous connaissez Goldorak à l'époque, mais ça ressemble un tout petit peu au vaisseau de Goldorak, une espèce de truc rond comme ça. Donc c'est beaucoup moins aérodynamique que Félix, qui avait juste sa combinaison et puis son, euh, son corps, quoi, simplement. Ça avait plutôt la forme de son corps. Par contre, à la neustache, il est allé plus haut. Donc comme je vous disais avant, chacun son record. Euh, les, choses, les choses sont assez assez jolies là. Voilà, je regarde juste sur le chat, je passe un petit peu plus loin, et puis je regarde, qu'est-ce que vous me dites euh... Ah, on me demande s'il a fait un read-out ou un blackout, euh, aucune idée, on ne le, on le dit pas dans le reportage, et je ne sais pas, on se rappelle que c'est suivant si on tourne autour, euh, si le centre de rotation est autour des pieds ou autour de la tête et je ne sais pas du tout. Euh, par contre, ce qu'il dit, effectivement, Félix, euh, il dit qu'il a perdu connaissance. Donc, euh, mais je ne sais pas dans, dans quel sens. Parce qu'on perd connaissance dans les deux cas. Donc, euh, ça, je ne peux pas vous dire. Non, il n'a pas fait un burn-out. Qui c'est qui nous dit ça Ah, il n'y a, a pas le nom. C'est quelqu'un avec sa daronne en HD. On sait, je ne sais pas qui c'est. Il y a des gens qui connaissent Goldorak. C'est bien, c'est bon signe. Ça, ça, ça fait plaisir à entendre. Tiens, ça, est, on, est, on est retourné dans les années 80. Ce que je voulais juste vous dire encore par rapport à cette image-là, je l'ai mise, ce n'est pas non plus pour rien, c'est qu'on parle ici de la, de la pression de l'air, hein, et on voit qu'on est à 3 millièmes de bar ou 27 centièmes de bar, hein, 0,027. Euh, juste que vous sachiez encore une chose, c'est que la pression atmosphérique à la hauteur du sol, là c'est la pression atmosphérique à cette altitude-là, on est à 39 000 mètres, quelque chose comme ça. La pression atmosphérique... Pour vous maintenant, comme quand vous respirez à hauteur du sol, c'est environ, alors c'est variable suivant, le, su, suivant les jours, les heures même, c'est à peu près euh, pardon, 1 bar. Qu'on appelle en atmosphère aussi, mais enfin c'est 1 bar. Donc on voit qu'on qu a, fait, qu a le, pratiquement le vide d'air là-haut. Hein, on n'a on a plus d'air. Si on est à 3 millièmes de bar, on voit que c'est beaucoup moins que la pression atmosphérique normale, qui est à 1 bar. Alors, si j'arrive à suivre, qu'est-ce qu'on. Il y a une interview en 2015. Qu'est-ce qu'il disait que c'était un blackout, monsieur Bon, donc on a la réponse finalement. Vous, on peut lire aussi sur le... directement sur l'écran. Ok, ben alors vous en savez plus que moi. Ça fait, ça fait plaisir, c'est bien. Vous êtes intéressé à cette histoire. C'est une bonne chose. Maintenant, j'espère que vous allez autant vous intéresser à l'exercice 9. Alors, vous aviez déjà fait une partie avec mon remplaçant. Donc euh, je vais je, ce que je vous propose, euh, d'après ce qu'il m'avait dit, vous aviez déjà fait le A. Donc je vous tire la réponse du A ici. Euh, si jamais je ne vais pas la laisser trop longtemps, mais vous pouvez toujours revenir sur la vidéo. Comme c'est le, 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 le premier live, la première vidéo qu'on fait ensemble, euh, je ne vous ai pas encore dit, mais je laisse, elles sont toujours disponibles en rediffusion. Si vous avez besoin de revoir quelque chose, euh, vous, vous n'hésitez pas, hein. euh, vous pouvez seulement retourner. Donc là l'idée ici c'était, euh, comme mon remplaçant a tenté de, de vous, de vous l'expliquer, moi j'avais tenté aussi, euh, j'espère que c'est passé finalement, euh, c'est qu'on va utiliser euh, la deuxième loi de Newton, on l'utilise deux fois. Donc on commence par calculer l'accélération en disant j'utilise la deuxième loi de Newton pour tout le système. Donc j'ai une force de pesanteur et, euh, et rien du tout d'autre. D'ailleurs, j'ai que la force de pesanteur, le F égale M a ici, le F c'est Fp. Hein, C'est 20 newtons à peu près, j'ai pris 10 pour la, la gravité, ça marche très bien. Et puis cette force de pesanteur, elle va charrier tout le système, c'est-à-dire le bloc qui est posé sur la table et le cylindre qui est suspendu, c'est-à-dire en tout 5 kg, donc 20 égale la masse totale, 5 fois l'accélération. Je calcule assez facilement que j'ai une accélération de 4 mètres par seconde au carré. Et puis après, l'idée, c'était de calculer, dans la question, c'était marqué la, les tensions dans les cordes. C'est-à-dire l'interaction le, entre les deux objets. Qu'est-ce qu'on a comme force La force du bloc sur le cylindre. Il faut que je monte comme ça, j'ai oublié. La force du bloc sur le cylindre et la force du cylindre sur le bloc. Donc euh, on trouvait assez facilement 12. Je pense que vous aviez aussi trouvé ça. J'espère. Dans la partie B, il y avait. Alors c'était exactement la même question avec d'autres masses. Il euh, y avait une, une, une subtilité, c'était qu'on rajoutait une force de frottement de 12 newtons. Alors je me rappelle bien que mon remplaçant, euh, moi j'étais parti, parti du principe que dans votre cours j'avais déjà photocopié cette page et j'ai complètement oublié qu'elle n'était pas dans votre cours. Donc mon remplaçant était euh, allez vite en catastrophe vous faire cette photocopie. Donc si vous étiez euh, dans la semaine du 2 au 6 mars, donc pendant que j'étais en ski si vous étiez en classe, vous aviez reçu cette feuille. Sinon, vous la retrouvez dans Teams et dans, les, dans tous les fichiers. J'ai les remises. Donc, vous pouvez toujours refaire ça après. Il euh, n'y a pas de souci. Donc, là, l'idée, c'est qu'on a. Alors, on balance aussi directement la solution. Mon but aujourd'hui, c'était de faire le C. On va faire le C un peu plus en détail ensemble. Euh, donc. Euh, L'idée ici c'était toujours de calculer l'accélération. Simplement, la, la différence, c'est que j'ai une force de pesanteur de 30 cette fois, et surtout une force. Alors j'ai mis T ici, euh, laissez-vous pas abuser, c'est la force de frottement. Hein, le force de frottement égale 12 newtons. Je l'ai appelé Ft parce que c'est une ancienne donnée où j'avais mis qu'on qu tirait avec une force de traction. Donc interprétez que la force de frottement, c'est la force T ici qui vaut 12 newtons. Prenez directement la valeur. Donc, on a deux forces, on a 30 N qui tire, 12 N qui retiennent. Donc, on fait un 30 moins 12, hein, la force de pesanteur moins la force de frottement, qui est appelée T. Ça fait 18, 30 moins 12. Et puis, la, la masse totale, c'est euh, 9 kg. Donc, une accélération de 2, puisque 18 égale 9 fois l'accélération, l'accélération vaut 2. Alors j'ai vu que quelqu'un demandait si on pouvait faire sur Teams. Je, on va essayer ça avec euh, le, la 2M3 après. Je n'ai jamais fait de, de cours ou de choses sur Teams. Donc je vais regarder. Peut-être que c'est beaucoup mieux. Puis peut-être que je passerai là-dessus. Là je reste ouvert à, à toutes les possibilités. Maintenant... Euh, quelqu'un dit qu'elle qu est en train de se plaindre de nouveau. Donc euh, j'espère que... Euh, voilà, gardez une bonne ambiance sur votre chat. Commencez pas à vous insulter ça ça serait mieux, surtout pas devant moi. Alors, on, je vous ai dit qu'on allait faire un petit peu plus en détail, ça vous revenez, hein, si vous n'avez pas eu le temps de noter, euh, on va faire celui-là en détail, parce qu'il y a un petit peu plus de nouveautés ici. Donc l'idée, c'est qu'on a un système qui est autonome, autonome, ça veut dire que pas, je ne viens pas tirer avec quelque chose, voilà, il se débrouille tout seul. Les frottements valent 7 newtons, alors déjà, il faut euh, réussir à comprendre, euh, dans, dans quel sens ça va se déplacer. Le frottement, ça va être entre le bloc et la table ici. Donc si j'ai une force de 2 euh, une masse, pardon, de 2 kg ici et de 1 kg ici, bah, j'aurai justement une force de pesanteur ici de 20 N Force de pesanteur égale 20 N FP1, par exemple. Et puis ici, je vais dessiner une flèche à peu près deux fois plus courte. Hein, force de pesanteur FP2 égale... 10 newtons donc je sais que par rapport à 20 et 10 ben, c'est évidemment les 20 newtons qui vont, qui vont être plus, plus grands, plus forts donc je sais que mon bloc il va se déplacer comme ça contre la gauche c'est pas une force, hein. c'est juste pour dire dans quel sens il se déplace, j'enlève tout de suite euh, donc s'il si se déplace contre la gauche ça veut dire que j'ai un frottement qui va être contre la droite donc euh, le frottement vaut 7 newtons, ma force de 10 7 ça va être un petit peu plus court donc ça peut faire par exemple quelque chose comme ça ça c'est la force de frottement Essayez d'utiliser un peu des couleurs pour qu'on voit quelque chose. Force de frottement égale 7 newton. Comment vous savez que c'est 20 et 10 euh, Qui c'est qui demande ça Yanis. Euh, 2 kg, si je multiplie, donc c'est la masse de, cette, de ce cylindre, je multiplie par la gravité terrestre. Puis j'ai pris comme avant euh, une gravité à 10. J'aurais pu prendre 9,81, mais euh, j'ai pris simplement 10. Donc 2 fois 10 égale 20. La, la masse fois la gravité. Euh, maintenant, je vais pouvoir écrire la deuxième loi de Newton. Donc, euh, cette deuxième loi de Newton pour tout le système cette fois. Donc, je vous avais donné, essayé en tout cas de vous donner l'habitude d'écrire Newton 2 pour tout le système. Euh, ici, ben, ça veut dire, euh, qu'est-ce qu'on va l'appeler ici Le cylindre 1, le bloc, B pour bloc, et puis le cylindre 2. Donc, je vais écrire pour tout ce système-là. Donc, qu'est-ce qu'on a comme force On a 20 qui sont dans le sens du déplacement. Hein. Le déplacement, il est comme ça. Ça monte ici, ça va à gauche là, et ça descend là. Donc, on, les poulies font juste changer la, la direction, mais en fait, c'est comme si on avait, euh, on pourrait imaginer un une espèce de locomotive ici qui est les 20 newtons, et puis ça c'est un wagon qui se fait tirer avec du frottement, et puis ça c'est un wagon qui se fait tirer et en plus il retient, donc il y, a, il y a aussi comme une espèce de frottement on pourrait dire. Simplement il y a des poulies qui ont, qui ont changé la direction, mais c'est un peu le même principe. Donc euh, si j'écris la somme des forces, donc je vais avoir, alors je vais mettre les valeurs, vous m'en voudrez pas directement je pense, euh, 20, Donc c'est une force qui est positive dans le sens du déplacement. Le frottement, 7 newtons, il est négatif, donc je vais enlever 7. Et puis les 10 newtons, ça monte, mais la, le, la force de pesanteur du cylindre 2 est contre le bas. Donc c'est de nouveau opposé au déplacement. Donc j'enlève 10. 20 moins 7 moins 10. Ça, c'est égal. Ça, c'est là. Donc la somme des forces. Euh, Mathéo, les flèches, les flèches noires, peut-être. Les flèches noires, ça donne le déplacement. Ce pas des forces, hein, les flèches noires. Par contre, les deux bleus, c'est les forces de pesanteur, et la rouge, c'est la force de frottement. Donc bleu-rouge, c'est les forces de frottement, noir, c'est juste pour montrer le déplacement. Donc j'ai la somme des forces ici, euh, 20 moins 7 moins 10, puis ça, c'est égal à la masse. Alors il faut faire la masse totale, je vais le faire directement, 2 plus 1 plus 1, ça fait 4 kg, multiplié par l'accélération. Ce n'est pas la même accélération qu'avant, hein, on est dans un autre cas. Euh, du coup, euh, je vais calculer cette accélération. Alors, on ne met pas les tensions dans les cordes. Angelina, ça vient après. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Parce que la, les tensions dans les cordes, l'interaction entre le cylindre de gauche, le bloc, et puis le bloc et le cylindre de droite, de bah, toute façon, ça s'annule quand je prends tout le système en entier. Donc, je vais, je vais les faire apparaître juste après, quand je vais choisir pour un des blocs, par exemple, d'exprimer de la, euh, de, la deuxième loi de Newton. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. J'aurais pu les faire apparaître. J'essaye de faire que ça soit euh, le, plus, le plus simple à comprendre possible. C'était ça mon idée. Donc là, je peux calculer l'accélération. Si j'ai 20 moins 7 moins 10, euh, ça a l'air de faire 3. 3 égale 4 fois a. Donc j'y vais directement. L'accélération, elle vaut 3 quarts. Ou bien 0,75. Est-ce qu'on peut être à deux chiffres À la limite, on met deux chiffres. ok. Donc. 0,75. Je vous rappelle juste que 0,75 c'est deux chiffres, hein, puisque le 0 qui est devant n'est pas compté. Donc l'unité, c'est des mètres par ce que je voulais faire ici, voilà, par seconde carrée. Donc maintenant j'ai mon accélération, ça je vais en avoir besoin pour la suite. Ensuite, je vais faire apparaître justement ce que demandait Angelina, les forces d'interaction entre les deux, ce qu'on appelle les tensions dans les cordes. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit, Mathéo C'est parce que le déplacement se fait en direction du cylindre de l'équilibre, je crois. Je ne comprends pas la question ni la remarque. Ah, ah voilà, j'ai lu la bonne question maintenant. Donc pourquoi on soustrait des forces euh, alors que dans la deuxième loi de Newton, c'est la somme des forces Sauf que c'est la somme vectorielle. C'est-à-dire que si je veux réécrire ça dès le départ, là j'ai sauté quelques étapes. La deuxième loi de Newton, elle nous dit que FP1 vecteur plus F frottement, force de frottement, plus FP2 aussi avec un vecteur, et ça c'est égal à la masse totale, je mets M, hein, c'est le, le total, fois l'accélération aussi vecteur. Donc la deuxième loi de Newton, c'est une équation vectorielle. Sauf que maintenant, quand je regarde par rapport à mon axe de déplacement, alors il y a un peu trois axes de déplacement à cause des poulies, on est d'accord La force P1, elle est dans le sens du déplacement, donc je vais y mettre un signe plus. La force de frottement, ça se déplace contre la gauche, la force va contre la droite, ça retient le frottement toujours, donc j'y mets un signe moins quand je donne sa valeur, la longueur du vecteur. En fait, ça revient à faire une, une projection du vecteur. C'est cosinus de 180, hein, si on projette un vecteur, ça c'est la, la, la petite parenthèse mathématique dont vous n'auriez peut-être même pas besoin ici. Donc dès que c'est opposé au déplacement, on met un signe moins. Bon, il y a des gens qui répondent, ça c'est pas mal. On a dit qu'on voulait faire apparaître les forces d'interaction entre les deux. Donc, ce, Alors, juste pour que ça soit bien clair, cette, ce cylindre de 2 kg. Il subit comme les, trois enfin, comme les deux autres objets une accélération de 3 quarts, de 0,75. Si je coupe la corde ici, ben, il aura une accélération qui correspond à l'accélération terrestre, 10 mètres par seconde au carré environ, c'est ce qu'on a pris comme valeur avant. Donc on voit qu'il a une accélération beaucoup plus faible. Ben, ça veut bien dire qu'il est retenu par quelque chose. Donc il y a une force. On va essayer de la faire un peu plus droite, voilà. Une force qui le retient contre le haut. Ce que je peux appeler la force du bloc, B c'est le bloc que, qui est posé sur la table, sur le cylindre 1 par exemple. J'aurais tendance à l'appeler comme ça pour que ça veuille dire quelque chose. Donc cette force elle va retenir ce cylindre pour pas qu'il qu accélère avec 10 mètres par seconde au carré, mais avec 0,75, il y a bien quelque chose qui retient. Lui il est en train de charrier tout le système derrière. Donc euh, maintenant si j'écris ça, ça veut aussi dire que si... Il, tire le, euh, il est retenu pardon, par le bloc avec euh, cette force, euh, donc, donc euh, le bloc sur le cylindre 1, ça veut aussi dire que le bloc il est tiré avec la même force, hein, action, réaction. Les forces vertes que je dessine ici, c'est les actions et les réactions. Donc il y a une force qui tire le bloc, puisqu'il est en train d'accélérer contre la gauche à 0,75, ça veut dire qu'il est tiré contre la gauche. Et puis celle-là, je pourrais l'appeler la force du cylindre 1 sur le bloc. C'est comme on avait fait déjà dans, dans certains de, de nos exercices ensemble. Donc, ce que je finis par faire ici pour calculer cette force, c'est écrire la deuxième loi de Newton, mais cette fois que pour le cylindre. Donc, je vais écrire Newton 2 pour le cylindre numéro 1, le cylindre de gauche, pour C1. Donc, qu'est-ce que je fais C'est là, peut-être que c'est une subtilité que, que tout le monde n'avait pas encore vue. C'est que j'ai commencé par écrire la deuxième loi de Newton pour tout le système, pour calculer l'accélération. Et maintenant, c'est ce que j'avais fait ici en noir. Et puis maintenant, ce que je fais, c'est que je vais écrire pour un des éléments du système. Alors, je décide de commencer par celui de gauche. Euh, donc, je vais écrire la deuxième loi de Newton. Ça veut dire que je dois prendre la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur lui, égale sa masse fois son accélération. Son accélération, c'est la même que celle-là. Hein. Tout le système accélère de la, de la même manière. Donc, si j'écris la somme des forces qui s'exercent sur lui, euh, je ne vais peut-être pas l'écrire vectoriellement, je vais peut-être directement écrire. Donc, ça veut dire qu'il subit une force de pesanteur de 20 contre le bas. Il se déplace contre le bas, donc positif. 20. La force verte étant contre le haut, alors qu'il se déplace toujours contre le bas, on va mettre un signe moins. Alors, je ne sais pas combien elle vaut, c est, c est, ça sera ma seule inconnue. Je l'ai appelée la force du bloc sur le cylindre 1. Il n'y a que ces deux forces qui s'exercent sur lui égale sa masse, donc c'est 2 kg, fois son accélération. Je vais reprendre 3 quarts au lieu d'écrire 0,75, hein, on peut prendre n'importe quelle valeur ici. Donc du coup, ça, ça me permet de calculer la force du cylindre sur le bloc. 1. L'inverse. La, la force du bloc sur le cylindre 1, mais qui est aussi égale à la force du cylindre 1 sur le bloc. Euh, Est-ce qu'on arrive à facilement le faire de tête 2 fois 3 quarts, ici, ça donne 6 quarts. 3,5, donc 1,5 à droite. 20 moins combien donne 1,5 On devrait obtenir 18,5. J'arrive au bord de l'écran, là. On va se... Je vais le réécrire en dessous. Donc tout ça, c'est égal à 18,5, qu'on va arrondir, si on a juste la place. Euh, on était à deux chiffres, hein, donc on, a... on va dire 19. 19 quoi C'est une force, donc 19 newtons. On ne va juste pas. Hein. Voilà. On ne comprend plus rien au dessin. Oui, il ne faut pas arriver maintenant, faut regarder depuis le début, ça se construit, je pense... Euh Euh, on va continuer, on va juste terminer avec... Euh, Qu'est-ce qu'on va faire On va faire en, en rouge cette fois. Bon. Euh, je ne vais pas écrire la deuxième loi de Newton pour le bloc. Je vais juste écrire pour le cylindre de droite. Non, je vais quand même prendre une autre couleur, attendez voir. Qu'est-ce qu'on n'a pas pour les forces On va faire un peu d'orange, allez. Donc on, ici, on a... Juste qu'on qu voit quelque chose. voilà euh, l'interaction, parce qu'en fait il y a deux cordes, donc on va avoir besoin des deux tensions dans les cordes, il y a deux réponses à, à donner, euh, simplement qu'on va faire exactement la même chose pour cette corde ici, donc si ce, ce cylindre numéro 2 ici qui fait un kg il est en train de monter, ça veut dire qu'il y a une force plus grande qui va le faire monter, c'est la force du bloc sur le cylindre 2. Heureusement qu'on a des couleurs, hein. mais même avec des couleurs, c'est compliqué. Je pense à, à voir quelque chose, mais enfin, on, on peut oublier le frottement, hein. on n'en aura pas besoin ici. Et puis, ben, euh, ce cylindre, il va retenir le bloc aussi avec la même force, donc c'est pour ça que je prends la même couleur. Et cette force-là, on va l'écrire ça ailleurs. Hein. Cette force-là, c'est la force du cylindre 2 sur le bloc. Donc action, réaction entre les deux. Donc maintenant, je vais juste finir par écrire l'équation. Euh, en orange donc la deuxième loi de Newton pour le cylindre 2 donc Newton 2 pour le cylindre 2 donc somme des forces comme avant hein, on le fait une dernière fois et puis après on s'arrêtera donc la force qui va contre le haut alors que le cylindre se déplace contre le haut elle doit être comptée positivement donc la force du bloc sur le cylindre 2 positif ça, c'est la longueur du vecteur, donc je ne mets pas de moins ou quelque chose devant, ça sera positif. Et puis, je dois enlever, parce que la force bleue pour le, ce cylindre ici, elle est contre le bas et il monte, donc je vais enlever 10 newtons, qui est cette force bleue ici. Et ça, c'est les deux seules forces qui s'exercent sur mon objet. Donc, c'est sa masse ensuite, égale sa masse, une fois son accélération, qui était trois quarts. J'arrive à calculer aussi assez facilement que la force du bloc sur le cylindre 2, qui est aussi égale à la force du cylindre 2 sur le bloc, c'est égal à, je dois faire plus 10 ici, hein, plus 10 plus euh, 1 quart, ça fait 10,75. Je le dis, vous ne m'en voudrez pas, j'arrondis directement à 11. Hein, je vais mettre environ 11 newtons, c'est parce que je vois que j'ai bientôt plus de place. Donc là, on arrive à 11 N. Alors je regarde juste sur le chat, qu'est-ce qu'on a Si on a un exercice similaire, comment on peut savoir ce qu'on doit faire avec une donnée similaire à celle qui ne nous demande absolument rien Là, vous trouvez que dans la donnée, ça ne demandait rien, euh, Yanis euh, L'idée, c'était, est-ce euh, qu'on ne demandait pas de calculer quand même un peu l'accélération Et puis, donc, alors là, c'est vrai qu'il n'y a pas la donnée, euh, on nous dit juste que c'est un nouveau cas, mais si on regarde tout en haut, on disait qu'on aimerait trouver d'abord dans quel sens ça se déplace, dessiner les forces qui influencent le mouvement, c'est-à-dire je n'ai pas fait la force de pesanteur du bloc sur la table, et puis après calculer les accélérations, c'est ce qu'on a fait toujours au début avec la deuxième loi de Newton pour tout le système, et les tensions dans les cordes, ben c'est ce qu'on a fini par faire avec cette partie verte ici et puis cette partie orange. C'était l'idée de, de dessiner les tensions, de calculer et de dessiner d'ailleurs les tensions dans les cordes. Mon, mon dessin n'est pas du tout à l'échelle, hein, c'est vraiment pas propre du tout, mais enfin voilà, si on, si on doit vraiment être précis, euh, c'est qu'à ce moment-là qu'on peut dessiner les forces une fois qu'on les a calculées, évidemment. Ah, euh, Est-ce que vous souhaiteriez, euh, c'est Steven qui sou souhaiterait peut-être faire le bloc encore. On peut, euh, on peut, écrire la deuxième loi de, de Newton pour le bloc, c'est possible. Simplement, là, on a répondu à toute la question, donc c'est juste pour vérifier, on peut, ouais, pourquoi pas. Puis ça, ça fait un petit entraînement. Alors, on va faire ça en violet. Donc cette fois, ça va être pour le bloc. On va écrire la donc c'est pas nécessaire. Hein. Là, on a fini l'exercice. Maintenant, juste pour vérifier, la deuxième loi de Newton pour le bloc cette fois. Bloc, juste au passage, j'ai vu que certains l'écrivaient un peu bizarrement, c'est B-L-O-C, si jamais. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a comme force qui s'exerce sur le bloc ben, En fait, il y en a trois qu'on a dessinés ici, mais il y en a plutôt cinq, parce qu'il y a la force de pesanteur de ce bloc, puis il y a la force de soutien de la table. Simplement, comme elle s'annule. Elles se compensent les deux et qu'elles sont verticales alors que le bloc se déplace horizontalement, je ne vais même carrément pas les, les mettre dans mon équation, mais elles sont là, mais on n'en a pas besoin. Dans la donnée, j'avais dit, on, on s'intéresse qu'aux forces qui influencent, euh, c'était marqué où ça, dessiner les forces qui influencent le mouvement. Donc celle-ci, la force de pesanteur et de soutien n'influence pas le mouvement, donc je ne la fais pas. Donc, j'ai mes trois forces. Alors, je vais juste mettre le bon signe. Si vous voulez, je vous mets peut-être des couleurs, ça pourrait aider. Il y en a déjà beaucoup à l'écran, mais on va reprendre les mêmes. Donc, la force du cylindre 1 sur le bloc. Elle était verte. Force du cylindre 1 sur le bloc. Je la compte positivement parce que le bloc se déplace contre la gauche, et puis la force est contre la gauche. Ensuite, on avait la force de frottement. La force de frottement qui va les 12 newtons, celle-ci, je la compte négativement. Vous pouvez partir du principe qu'une force de frottement, c'est toujours opposé au déplacement. Vous n'avez pas un frottement qui va vous aider, qui va vous faire aller plus vite. Hein. C'est toujours opposé au déplacement, donc ça retient. Donc moins la force de frottement. Et puis on a encore la force du bloc, euh, enfin du cylindre 2 sur le bloc. On va prendre la bonne. Ce qui revient au même, mais la force du cylindre 2 sur le bloc. C'est juste des noms, hein. on aurait pu appeler celle-ci la verte, euh, on aurait pu l'appeler F1, puis celle-là F2, puis peut-être c'était plus simple, mais euh, voilà, c'est un nom pour dire sur quoi ça s'applique, c'était ça l'idée. Donc tout ça, c'est les trois forces qui s'exercent sur le bloc, et puis bah, c'est égal à la masse du bloc fois l'accélération. Donc du coup si peut-être qu'on prend juste les valeurs, puis on regarde si ça marche. Alors je vais prendre les valeurs qui ne sont pas arrondies pour être sûr que, que ça marche. Donc la force verte, elle valait 18,5. 18,5, je remplace en dessous, hein, ça c'est la force verte. Le frottement, je dois enlever 12 newtons. La force orange, euh, on était à 10,75 si on calcule sans arrondir. 10,75 égale. La masse du bloc, c'était 1 kg. Je remplace tout. Et puis l'accélération, c'était 3 quarts, ou 0,75. Donc maintenant, si j'essaye, 18... Euh, J'espère que ça va marcher. Non, ça ne marche pas du tout. Qu'est-ce que, qu que j'ai fait qui ne jouait pas euh, Le frottement n'était pas de 12, c'est ça Non, le frottement était de 7, voilà. J'ai repris le, la donnée de l'exercice d'avant. Le frottement, il vaut que 7. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Il y avait 12 dans, dans la donnée précédente, ici c'était 7. Comme je ne l'ai pas utilisé avant, ben ça ne change rien du tout. Tout était juste hein, dans ce qu'on a fait avant. Simplement ici, il fallait que j'enlève 7. Sinon, ça ne jouait pas, ça donnait quelque chose de négatif. Ce n'était pas possible. Hein. Donc 18,5 moins 7, ça fait 11,5 moins 10,75. Ça, ça donne 0,75. À gauche, et puis à droite aussi, 3 quarts, c'est 0,75. Donc voilà, on n'a rien calculé de plus, on a juste vérifié que la, la deuxième loi de Newton marchait aussi avec les forces qu'on avait sur le bloc, c'est tout. Donc Mathéo, euh, le 11, c'est 10,75 qu'on a arrondi à deux chiffres, hein, si jamais. Le, la force orange, le bloc et cylindre 2, on a arrondi 10,75. Bon, quelle heure il est 14h37. Donc ça va être l'heure de notre rendez-vous. Euh, J'ai terminé ce que je voulais faire avec vous. Je ne sais pas s'il y a encore une question, vous, vous me dites. Sinon, vous pouvez me redire, euh, même m'envoyer un petit message sur Teams, il hein, n'y a pas de souci. Euh, tout est faisable avec ça. Donc comme je vous disais en préambule, pour la, la prochaine fois, on déterminera encore bien la date ensemble. Euh, il faudra que vous ayez imprimé, alors au minimum, la première page. on va pas faire, donc je vous ai donné les, les cours de la page 21 à 27. on va pas faire euh, toutes les pages la première fois, évidemment. mais euh, il faut que vous ayez au moins imprimé la première page euh, pour qu'on puisse démarrer. donc, la page 21, on commence un nouveau chapitre. donc, je vais devoir vous expliquer euh, comment on calcule le travail d'une force avec ça. donc, on, on va tenter de faire ça de cette manière-là. Je ne sais pas si on m'a demandé plusieurs fois ce que j'avais mangé à midi. J'ai fait un risotto. J'ai mangé le risotto que j'avais fait en famille. Je ne vais pas vous demander à tous ce que vous avez mangé à midi, je pense. Mais il y, y a certains élèves qui aiment bien savoir ça. Peut-être que ça rassure, je ne sais pas. <laughs> Donc euh, je vous dis euh, à, pour la 2M3 à, dans quelques minutes. Et puis pour la 2M5, ben, vendredi après-midi. Si j'ai une communication à vous faire, je vous l'enverrai directement sur euh, Teams, comme d'habitude. Euh, par exemple, si j'arrive une fois à créer un sondage, peut-être que je pourrais faire un sondage sur quelle est la meilleure heure pour qu'on se voit pour faire ce, ce, ce prochain live et puis pour parler de travail de force et puis de la page 21 de la suite. Donc en attendant, euh, si je ne vous revois pas aujourd'hui, ben, bonne fin de journée, et puis à tout à l'heure pour les, les élèves de DM3. À la prochaine. Merci de votre attention et bon après-midi.